Bienvenue dans cette présentation de l'interface de Photoshop Elements 10, réalisée par le site zonenumérique.com. C'est l'occasion de présenter le dernier né de la gamme Adobe, Photoshop Elements 10. Donc, comme vous le voyez, on retrouve deux modules, modifier, organiser. Organiser, ça va être Photoshop Elements Organizer, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est modifier. L'interface de Photoshop Elements 10, basique, elle fait penser à Photoshop Elements 9. Donc, vous avez trois onglets, édition, créer, partage. Donc édition, on va commencer par édition. Édition, à quoi ça sert? C'est bien sûr tout ce qui est création avec votre image. Donc on a les filtres, les styles de calque, les effets, voilà. Les filtres sont applicables en faisant glisser sur la photo. Voilà. Donc vraiment plutôt simple d'utilisation. On retrouve les calques, donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour un Photoshop Elements qui reprend un petit peu la puissance et les capacités d'un Photoshop normal. Dans l'édition, on a l'édition rapide. Édition rapide, ben voilà, c'est tout ce qui est retouche de la photo. Donc là, retoucher, c'est le logiciel qui va réfléchir à la meilleure manière de retoucher votre photo. Vous n'avez en gros rien à faire à part gérer ce petit bouton. Éclairage, ton foncé, ton moyen, ton clair, couleur, balance, netteté. Donc ça c'est vraiment de la retouche simple avec voilà, l'outil recadré qui inclut division par tiers, etc. etc. Édition guidée, ça va être tout. Les petits tutoriels, tous les petits effets que l'on va pouvoir faire sur Photoshop Elements 10. Recadrer la photo, guide sur la modification des photos, retoucher les rayures et les défauts. Ça va vraiment vous accompagner pour retoucher vos photos. Les effets, effets appareil photo Lomo, effet Orton, que vous retrouverez dans une autre vidéo réalisée par zonenumérique.com. Les petits effets pop art, prise de vue, nettoyage de scène, etc., etc. Donc on a l'outil aussi créer. Donc créer, qu'est-ce que c'est? Ça concerne évidemment la création. Une fois votre photo retouchée, vous pouvez les appliquer sur un support comme un simple tirage photo, une carte de vœux, un calendrier avec des photos, une jaquette de CD. C'est vraiment à vous de créer tout ça pour rendre cette version de Photoshop Elements attractive. On a l'onglet partage, qui bien sûr, voilà, envoyer des mails, créer vos albums pour les partager en ligne avec vos amis et votre famille, le partage sur Facebook, le partage sur Flickr, et partager avec Kodak EasyShare. Donc nous allons revenir dans Édition Maxi. Je vais vous présenter les petits outils qui font partie un petit peu des classiques des Photoshop. Donc tous les outils basiques, déplacement, zoom, etc. La pipette, le texte. Donc je vais vous montrer par exemple, la petite nouveauté, c'est l'outil texte sur tracé personnalisé. Donc, vous accédez à l'outil plume, tout simplement, tracer un trait de votre choix, voilà. Il faut le valider. Et après, vous n'avez plus qu'à venir passer votre curseur dessus, choisir l'endroit où vous voulez écrire. Et vous pouvez écrire votre petit texte. Encore une fois, vous validez. Voilà, le texte est posé. Un autre outil que je vous présente, c'est Forme Dynamique. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir choisir des petits effets. Alors, les effets universels, c'est ça qu'on retrouve, des blancs éclatants, blancs très éclatants, ça c'est pour retoucher les dents.
inversion noir et blanc, plus lumineux. C'est des petits des retouches qui sont déjà toutes prêtes. Blanc très éclatant. Donc, vous sélectionnez la partie à rendre très éclatante. Votre tasse est beaucoup plus blanche. Donc c'est quand même facile d'accès. Il n'y a pas à dire. Hein. On retrouve la puissance de Photoshop CS dans ce Photoshop Elements. C'est tout pour la présentation rapide de l'interface de Photoshop. Photoshop Elements 10 est disponible au prix donc de 99€. Il est possible également d'acheter le bundle qui réunit, c'est une sorte de pack, qui réunit Photoshop Elements 10 et Premiere Elements 10, son double vidéo. Donc le bundle est au prix de 149€. Le tarif de la mise à jour est de, quant à lui, est de 80,33€. Merci à tous de nous avoir suivis.